Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers fidèles et abonnés de la Vision en Action, bonjour, bonsoir, oh manouye, bienvenue sur Vision en Action. Vision en Action, une plateforme créée pour donner matière à la pensée, pour aider à comprendre ce qu'a fait, ce qu'a passé, ce qu'a dit dans la société haïtienne. Ou gen lontan wap chèche repons pou kestyon sa yo. Koman ka fè diferans ant yon vre om de Diyo, yon vre profèt ak yon fò profèt? Koman nou ka rekonèt kategori sa yo? Nou pral di yo ki kote fò profèt yo soti e ki es ki ba yo pouvòr yo prétendu yo genyen. Pou ki sa yap prêche nou le retour de Jésus-Christ e pou bientôt? Et yo même yo gen projet à long terme. Ou pas jamais poser tête ou question pour qui ça? En pile moun ta remè Bishop Grégory Toussaint ba yon ti kal explication de déclaration ça li fait. Qui ça pral gagner le 31 décembre 2023. Nan dernier année sa yo Haïti tourné yon pays, yon société de banalité, de profanation. Tout moun di sa yo vle n'importe comment. Sous n'importe moun ak toute impunité. Yon série de dérives payon ap konnen nan toute couche li. Pa gen anyen ki respecté ni respectable, voire sacré. Une vénalité sans valeur marchande. L'église qui était toujours considérée comme yon lieu saint, côté bon Dieu rete, suivant sa yo toujours ap fè nou comprendre, tounen n'importe quoi. On dirait, c'est dans l'église. Moun prend plus déception ak yon paquet professionnel pasteur preneur qui fait tête yo passer comme moun ki zami bon Dieu ki wè ak bon Dieu chaque jour li fait jour yon paquet rouleur kap jwi de dépravation ki gen nan pays an autoproclamé tête yo comme prophète nan propager opinion folio sous prétexte c'est bon Dieu ki voye yo fin di comme ça. Yo kidnappé attention peuple ak yon paquet raconta mal formulé ki pa gen ni pied ale wè pou yo ta gen tête. Ki l'esprit kap servi ak faux prophète yo? Ki est ki sonje prophète Laura Senatus Marie Sony Markinson Dorilas Esifas Léveillé évangéliste Joseph Kenold yon prédicateur de l'évangile qui prétend li comprendre parole bon Dieu, li pral di nou plus sou phénomène faux prophète sa qui tombé nan société haïtienne nan tant kou yon déclin kap miné société a nan sa l dwe konnè nan façon l dwe kwè nan bon Dieu. Gagne des signes qui pour prouver que si yon prophète vient de ya d'ailleurs faut prophète là il y a une nature yadiste, ça veut dire il y a une nature Yahweh. S'il pas gagne une nature Yahweh, il va pas capable vrai prophète. Et en nous le sentiment qui était en Yahoshua Mashiach. Maintenant on devrait savoir les sentiments qui étaient en Yahoshua Mashiach. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Isaïe 53. Il n'y a pas de apparence éclat pour attirer personne. Il te laisse lui emmener à l'abattoir. Il n'y a pas de jambes défendre cause lui. Il n'y a pas de vrai prophète, il n'y a pas de défendre cause yo. Il n'y a pas de chercher intérêt par yo. Cause manger yo, il n'y a pas chercher lui. Mais il y a cherché intérêt si là qui voye yo. Il n'y a idosé yo, il y a toujours introduit yo comme ça. Ainsi parle Yahwa. Maintenant, quand il y a un menouan qui est Vatican, li chambadea, n'a pas yo introduit comme ça, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 14,
Nous lit car ces nations qui t'y chassera écoutent les astrologues et les divins, les vrais prophètes. Qui caractéristique yon vrai prophète et comment n'a reconnaître yon? Qui mode langage yon utilisé pour parler, pour bay message ou pour annoncer peuple la bienveillance, la repentance? Vrai prophète, yon pas inspiré sous l'inspiration comme des astrologues, comme des devins. Kap bay devinette, kon sa sa ou di ak arrive, kon sa al kap. Mais les vrais prophètes, yo parle kon sa, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, dans la prédiction des vrais prophètes, li genye trois éléments clés, ou bien li genye trois signes qui pou prouver li se yon vrai prophète. Et d'ailleurs, vrai prophète là, la parle en toute douceur, en toute humilité. Et vrai prophète là, premier message il portait un message de la repentance. Il portait un message de la repentance. Contrairement avec faux prophète là. Premier signe vrai prophète là portait, il portait un lancé ou bien un signe de annonciateur. Il vient lui annoncer. Dans le monde, dans le temps, mais ça lui veut passer là, lui annoncer premièrement la justice. Au travers l'injustice. Mais il n'est pas attaqué un personnage. Il n'est pas personnifié. Mais il attaqué un système. Un système corrompu. En un système corrompu, hein, lui annoncer. Maintenant, l'elfine annoncé, deuxième message, l'a dénoncé. C'est le signe dénonciateur. Maintenant, l'elfine dénoncé, l'a prononcé. C'est le signe prononciateur. Ainsi parle l'Éternel. Mais ça qui est pour arriver dans la suite des temps. Contrairement aux faux prophètes. Les faux prophètes, premièrement, yon gen yon nati arrogant. Yon très très arrogant. Yon pa introduit yon. D'après si la ki délégué yon, ainsi par l'Éternel. Mais yon toujours parle nan nan yon. Mais ça m'a dit. Mais ça m'a déclaré. Maintenant, là nous te prend le temps pour nous te donner. Prophète ça qui t'est venu dans temps ça prophète Laura qui t'est parlé toute une série de bagailles qui t'est metté tout le monde en attente mais en rien dans ça Laura dit pas arriver la guerre rien Laura dit qui arriver maintenant nous c'est un royaume de sacrificateurs l'église esprit de la religion et de la politique qui va mélanger mais dans le système Vatican ou baloué Jean dans l'île Batmos, les jeunes ont grande révélation. La femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, c'est la politique prostituée. Il y a une politique qui vient prostituée par la fausse religion. Maintenant, la femme figure emblématique de la fausse religion et la bête écarlate, couleur écarlate, figure emblématique de la politique de ce monde. Maintenant, Yahweh, notre Éloïe, dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 20, il dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parle au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Maintenant, premier caractéristique qui pour prouver un prophète pas vient d'Elohim, nous allons le prophète, ça est très arrogant. Il est très audace. Maintenant,
Nous voyons le prophète ça, libéral, propager des choses erronées. Libéral, propager des hérésies. Par exemple, si nous t'as gardé dans temps ça, nous avons gardé un pile prophète. Ils n'ont pas prêché la saine doctrine, ils n'ont pas annoncé la saine doctrine, mais ils sont venus avec une série d'éléments qui viennent exactement du source satanique. Par exemple, nous avons qu'on fait ça, c'est pas qui triste. Mackinson, nous avons un élément qui est très arrogant. Comment Dieu prophète t'as capable de paraître pour lui que sanctuaire côté lui évoqué non Elohim là si on t'a demandé pour le fond macrel la bali ça c'est propre l'argent qui construit. Eh bien nous ouais faux prophète il est toujours à l'instar de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar il prophétisait n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti par la force de ma magnificence. Ça veut dire, premier bagay qui pour faire nous découvrir faux prophète, il est très arrogant et il propage des choses erronées. Comment? Yahushua, lorsque il a renvoyé la grande commission, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et ensuite, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ça veut dire, prophète là, tout ça l'a fait, il doit faire au nom de Maître, au nom des mouns qui voyaient là. Le nom de son maître doit glorifier. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils guérissent les malades. Ils ont la capacité pour guérir. Mais ils n'ont pas de prier avec malade. La prière pas guérir. La prière protégée contre les stratégie démoniaque. La prière lui mettait des barèmes contre les forteresses de l'ennemi. Mais en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guérissaient les malades. Ça veut dire, prophète là, il dit pour prononcer la guérison dans l'espace là, il prononçait la guérison au nom de son maître. Mais pendant non parle. S'il brave quelques breuvages mortels, ils les feront prendre des mains. Mais il est toujours en Deutéronome, chapitre 21, il dit que peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh nous a prédit? Peut-être nous qu'a dit notre nous. Question en pile monde a posé, est-ce que gen prophète dans temps ça toujours? Est-ce que bon Dieu qu'a voyé yon monde vinn contre carré, vinn contredit ça t'est déjà annoncé dans Bible? Qui message prophète tu as dû prêcher dans temps ça? Mesdames et messieurs, évangéliste encore Kenold Joseph a dit nous, a ban nous une lumière sur question ça yo. Comment nous allons faire connaître une parole? Yahweh pas de dit. Le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lié et n'arrivera pas, attendez, ce sera une parole que Yahweh n'aura pas dit. Ça veut dire, si le prophète là, pas baillé exactement pour sa fête, et si ça n'y a pas arrivé, il n'y aura pas de jambalé. Vrai prophète n'a pas de devinette dans sa labia. Lui prononcer dans la suite des temps, telle date, telle bagaille pour faire.
Emmanuel dit là c'est pour le fait. Mais supposé fait. Parce que le prophète l'a mette nation en connexion avec Yahweh au temps fixé. Au temps marqué. Ça l'a la fête dans l'aile de Dieu. Pas de devinette dans ça. Nous capables bien. C'est le roi qui promet que pays, c'est lui-même qui prend le règne. Où est passé la prophétesse? Côté lui. Et c'est le roi qui a besoin de répondre des questions. Et c'est le roi qui a besoin de répondre. Maintenant, nous prenons le prophète, ça, yo. Faux prophète, yo. Pas de signes. Non seulement yo propager des hérésies, yo renier exactement la nature de Yahshua. Yo pas de nature pour yo souffrir. Yo pas de nature humilité. Yo pas de nature à l'obéissance. Yo pas de nature pour yo supporter. Yo remet prononcer malheur. Yo pas qu'on jom ramener peuple là à la conscience, à l'obéissance. Mais yo toujours dit, moun bal mourir. Sou pa voye, message sa bay 20 moun. Sakrivo se pa ou. Ce sont des prophètes de malheur. Maintenant, nous voyons exactement. Prophète sa yo, yo gen amour de l'argent. Maintenant, vous te comprenez bien. Lorsque Yahweh a voyé Jonas à Ninive, li voye Jonas al parler dans toute ville là. Al publier message de la repentance. Mais le pas de voye Jonas en ne parle pas. Pour la parler avec elle. Pour la chita sous même chaise avec elle face à face. Parce qu'il pas de voye Jonas al négocier avec roi. Mais il te voye al prôner le message de la repentance. Pour ça, tout prophète sans besoin en train de parler national. Puis al baye nommé avec président. Son relation y a cherché. C'est l'argent y a cherché. C'est intérêt vente y a cherché. C'est intérêt poche y a cherché. Parce qu'il y a gagné un mot de l'argent. Ou pas besoin moins prophète ça yo yo dénoncer acte d'homosexualité yo pas défendre yo pas dénoncer malpropreté qu'a fait dans pays là. Comment yon prophète vini pour entraîner un peuple pour lui un peuple en faire marche contre l'homosexualité? Pourtant prophète Daniel dit que c'est lui qui lit face attention lorsque vous verrez l'abomination qui donne la désolation établie en lieu saint, marche pas qu'à empêcher bagage à arriver. Mais il te dit que personne ne vous séduise. Il te dit faut que bagage à arriver. Il faut que les choses arrivent. Il n'y a pas qu'à voir des prophètes qui viennent contredire ça que tu dis. Au contraire, c'est pour prophètes, ils viennent rafraîchir même à peuple là. Mais ça qui t'a déjà dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Prophète, ont besoin de prêcher la justice. C'est ça qui fait si il y a un vrai prophète. Il a prêché la justice en dans l'injustice. Mais le pas de en train de parler. Et nous allons. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 2, lorsque les mages sont en Orient. Je viens voir un roi qui fait à Bethléem. Lorsque tu es en train de parler au-delà, étoile qui t'a guidé, tu perds. Parce que Christ n'a pas en train de parler. Opinion très divergée dans le monde évangélique là sous question est-ce que yon moun, yon chrétien t'a doué fait politique ou non? Mais je demande est-ce que longtemps, d'après l'histoire du peuple Israël là, ça a raconté dans la Bible, c'est pas bon Dieu qui t'a choisi juge à quoi? Pour diriger peuple lion. Est-ce que moun sa yo c'est pas de politique yote qu'on a fait parce que diriger moun résider nan prend décision prévoir pour mieux servir. Maintenant est-ce que Dieu t'a suscité yon président? Oui. Li t'a suscité yon président. La prend moun ki doit président. L'évangéliste Billy Graham lorsque de te sélectionner aux États-Unis pour te président des États-Unis, il dit le sentiment tape sur trois roues pour le tomber. Il est un président céleste déjà. En pile, qui présente tête yo en deux secteurs protestants,
Yo dit Dieu voye au mensonge. Nous devons occuper la place sacerdotale. Et pourtant, apôtre Paul dit, il va nous mandat ça, il va nous instruction ça, il va nous impératif ça. C'est pour nous prier pour les magistrats. C'est pour nous prier pour les présidents. C'est pour nous prier pour les sénateurs, les dirigeants, les leaders. Parce que nous avons un mandat par nous déjà. Nous avons un job par nous déjà. Dieu pas jamais prend le pasteur ou le président. Mensonge. Parce qu'il est établi sous troupeau déjà. Mais Dieu a fait un pasteur prier pour que Dieu a suscité dans milliers de monde ça. Il y a un homme de cœur. Même Jean, il y a un ennemi qui était là pour intercéder pour le peuple là. Pour le fait, yo, nous avons intercédé pour le pays nous. Mais sans avoir pour nous chercher intérêt par nous. Nous avons cherché l'argent des prophètes charlatans. Même Jean, apôtre Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 3. Ce sont des prophètes charlatans qui ont cherché l'argent. Puis ils ont fait cob. Puis ils ont enrichi pour chio. Ils n'ont pas jamais prêché immoralité. Ils n'ont pas jamais prêché homosexualité. Ils n'ont pas jamais prêché la justice à l'intérieur de l'injustice. Je crois que c'est ensemble des caractéristiques qui nous sont capables exactement comprendre. Il y a un faux prophète et un vrai prophète. Et nous allons voir, faux prophète, ils ont toujours prêché la liberté pendant ce temps, ils ont un esclavage. Et c'est ça nous jeunes dans le système protestant. Il a prêché la liberté. Il a propagé la liberté pendant les esclaves Vatican, pendant les esclaves la religion, pendant les esclaves du système. Protestant, il a prêché un Christ qui proche. Il a prôné un Christ qui proche, qui va revenir. Mais il a fait des projets à long terme. Christ est proche, mais projet est toujours à long terme. C'est là que nous avons décrété, nous avons déterminé, faux et vrai. Maintenant, il y a un vrai prophète, il toujours dépend des maîtres. Et il y a un faux prophète, il dépend des têtes pâles, il est arrogant. Il a prêché un Christ proche, mais projet yo à long terme. 50 ans, 40 ans, 100 ans, pourtant Christ pas le retourner. Donc, quoi que, il est pour le peuple là, il est éclairé pour être capable de déterminer faux avec vrai. Dans la 12e journée, 40 jours de jeûne, Bishop Grégory Toussaint a réalisé dans la mission internationale Shekinah et déclaré parole sa yo. Année 2023, non seulement yon l'année porte ouverte, peut-être personne ne connaît sous qui facette, et Bishop plan pas bay détail sous déclaration sa, mais ça qui est intéressant dans énoncé Bishop Grégory Toussaint, hein, c'est l'elle dit 31 décembre année 2023 Dieu véritable là bien pour descendre à clé David là nan men. En tout cas prophète Laura Senatus te met tout moun ton 31 décembre 2022 est-ce que Bishop Grégory Toussaint voulait mettre tout moun à l'attente à laquelle le attend 31 décembre 2023 pour qui moun cap servi bon Dieu réellement. Et comment n'a reconnaître yo si Bible en proportionné toute interprétation sa yo est-ce que gè prophète toujours qui message prophète sa yo t'a doué à prôner comment et qui signe bon Dieu a bay peuple lia pour accepter moun sa yo pour vrai représentant sous terre là. Tout le monde a demandé qui côté prophète Laura Senatus Marie Sony passé après 31 décembre 2022. Est-ce que l'on yon centre de traitement? Personne n'a pas répondre à la question. Ça. Si yon bon Dieu réellement tout bon vrai, est-ce que le tap quitté yon blasphémé non comme ça sans le pas dire rien? Ni yon ti réaction li pas jamais fait pour le défendre estime ak vanité. Pour qui ça yo fait bon Dieu tourner yon marchandise malgré li pa jam sévi contre méchant abuseur ça yo qui les peuple haïtien a suspendre comporter en moun y a mené l'abattoir vision en action.